Kadou, non, 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 non. Allez, 1, 2, 3. Ok, là. Eh, on va. On va marcher. Démarrer. Et puis prendre ça. Comment vous parlez? Ça qui fait aujourd'hui? Aujourd'hui, nous venons. Aujourd'hui, c'est pas une grosse compétition. Nous pas mener machine. Amusement, quoi. Nous pas mener machine, nous pour abîmer. C'est amusement. Et puis, regardez qui ça nous pas prendre au niveau de glace de côté. Puis, c'est grosse qui fait, on l'a soi-disant. Ouais, et qui les autres ni là? Eh bien, on a. Comment il s'appelle encore? Pognon. Basile Pognon. Basile? Ouais. C'est le neveu de. Le fils de Laurent Pognon. Le fils de Laurent Pognon. Là, il y a son père là, il y a son nom. Donc il n'y a pas de danger ou quoi? Non, c'est amusement, Guinée, amusement. Nous, nous sommes qui cassent depuis le départ. Nous ne pouvons pas vous mettre alors. Nous pouvons essayer de tirer la limite. Cette épreuve. Ah, mon baptême de la régate, c'était génial. Ouais. Ouais, ouais. Les sensations. J'ai un monde à découvrir. Et comme j'ai pas toutes les traductions du créole, il faut que je travaille un peu encore. Ah, c'est vrai qu'il y a des codes qui se transmettent par ça, quoi. Exactement. Mais pendant la régate, moi, je suis aux ordres du patron. Hein. On débriefera après. Ok, et ça s'est bien passé? Ouais, super. Et par rapport à... On a eu un très beau match final avec 2-3 yachts au contact, là c'était très joli. Et par rapport à la voile que vous pratiquez? Ben, c'est le même principe, mais ça fonctionne pas pareil, donc ouais. C'est comme tous les bateaux, quoi. Tous les bateaux, c'est un monde à découvrir. Ça, c'est super. Le monde de la mer, merci.
Simon, quelle est la différence, question piège, hein, entre le bitume et le grand bleu? Non, je crois que c'est pas comparable. D'autant plus qu'on n'est pas du tout dans une voiture, on est à deux, là on est 15. Mais ceci dit, je suis pas très surpris d'abord de l'ambiance, de la coordination, de l'entente, etc. Et de tout ce qu'il y a à faire. Je dirais que la seule similitude qu'il peut y avoir de loin, c'est l'équilibre. C'est un jeu d'équilibre. Dans une voiture, il faut toujours chercher l'équilibre et essayer d'être le plus fluide. Là, c'est pareil. Il faut être équilibré et trouver être le plus fluide pour pas ralentir, pour pas faire d'erreur. Mais en rallye, on peut dire qu'il y a un chef d'équipe et un copilote qui suit, qui est à 50 ou... C'est-à-dire qu'on a chacun notre travail et justement, il est bien réparti. Là, on a 15 personnes à répartir, plus des invités, plus des novices comme moi. Donc voilà, mais c'est... Non, je veux dire, j'ai pas été surpris par l'action de l'intérieur. Étant, non pas un connaisseur, mais quelqu'un qui suit ça déjà de loin et un peu proche de l'équipe, j'ai pas été surpris. Mais c'est vrai que, par contre, j'ai pas vu le temps passer. Et y a beaucoup de choses à faire. Ça se joue à des petits détails, comme à chaque fois. Et c'est le détail qui fait la différence. Tout à fait. J'en sais quelque chose. C'est dans le delta. Et comme tu dis souvent, si t'as pas vu le temps passer, c'est que t'as pris plaisir à le faire. Ah oui, j'ai pris un énorme plaisir. C'était une belle expérience, je suis ravi. J'avais fait un ou deux tours comme ça pour le plaisir. Mais là, un peu dans une vraie compétition, on n'est plus du tout dans la même chose, avec une mer un peu plus formée à certains endroits. Ouais. On a pris un peu d'eau, on a fait quelques vagues. Non, c'était intéressant, c'est vraiment intéressant. Mais là, sincèrement, la similitude, c'est la rigueur, la détermination, c'est écouter les instructions d'un chef et puis faire en sorte que tout se coordonne le mieux possible avec en empilant les petits détails les uns derrière les autres pour arriver au meilleur résultat. Absolument. Et tu es là tous les jours, cet après-midi et demain? Je suis là cet après-midi, oui. Et demain? En principe aussi. J'ai une obligation, mais je vais essayer de rester. Ok, allez, bon courage. Merci. De la Coupe d'Amérique, ouais. Tu vois, sur des bateaux qui sont maintenant qui volent. Je vois. Nouvelle technologie, c'est ça ? Technologie à gérer, de l'hydraulique, de l'électrique. Il y a beaucoup d'informatique là-dedans. Ouais, et du coup, on bosse avec des micros, des casques, on est au-dessus de l'eau et on a plus ce rapport là. Ouais. Et là, j'étais ce matin, c'était incroyable.
j'avais l'impression que les mains du patron, c'était la fin de la yole. C'est-à-dire que tout est un ensemble, et dans ses mains, il gère tout cet ensemble-là, et avec le peu de phrases qu'il dit, tout le monde se déplace, en fait, ça vit. La yole, c'est pas un bateau, une voile et un équipage, c'est un être vivant. D'accord. C'est super intéressant. Ok. Mais c'est super chaud. Ouais. Mais les moyens technologiques que vous avez qui permettent d'aller jusqu'à combien? 100 nœuds? Non, on peut monter, oui, on va monter à 35 nœuds. 35 nœuds. 40 nœuds, ouais. Et on est dans l'hydraulique et puis aussi. Dans les aides, ouais. Et là, tout est humain. Tout est humain, mais déjà, là, on en parlait ce matin, on peut monter à 16 nœuds. C'est énorme. Ah ouais, 16 nœuds, c'est beaucoup. 16 nœuds avec les voiles. Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Moi, je suis impressionné parce que quand les gars font le tour de la Martinique et qu'ils se retrouvent dans un endroit où il n'y a pas de côte, si jamais justement ils sont, voilà, s'ils descendent. Écoutez, là, je l'ai vu aujourd'hui. C'est compliqué de tout remettre en état, il faut, donc là, quand il n'y a pas de côte, il faut remettre une petite voile, repartir. Alors c'est encore plus un vrai esprit d'équipage. Et question pour l'UNESCO, est-ce que il y a des avis de spécialistes là-dessus qu'il faut avoir? Est-ce que il y a des spécialistes que l'UNESCO demande l'avis? Non, parce que l'UNESCO, c'est un tout. L'UNESCO, elle veut classer le bateau, le savoir-faire de la construction du bateau. Ah oui, plutôt le côté traditionnel, quoi. Et puis l'équipage, donc c'est vraiment un tout. Et tout le public qui est là, c'est ça, c'est ça qui est classé. Donc non, pas d'avis spécialiste, il suffit de regarder. D'accord, ok. Merci, hein, bonne course. Garder toutes les forces, parce qu'on en a bien besoin, c'est pas la peine de le dire. T'es penché toujours, hein? T'es penché encore. Yeah.
Yeah.
sur des châteaux de sable. Des châteaux de sable. Et qu'est-ce qui fait que vous avez gagné encore une fois encore? Là, c'est Roland, il voulait gagner. Ah, c'est lui? Oui. D'accord, et c'est quoi le secret alors cette fois? Ah, ben ça, je peux pas dire. Parce que comme la compétition n'est pas finie. Non, mais c'est. Non, mais... C'est entre nous. Non, mais... Il m'égorge si je parle. Ouais. Ils m'ont dit tout à l'heure, ils m'ont dit ça en créole, c'est ce que j'ai cru comprendre, tous les gars. Ah non mais soupe, papa. Alors comment ça s'est passé? Ouais, c'était magnifique. Ouais bien. C'était magnifique. C'est un bel équipage qui tourne comme une horloge, c'est beau à voir. Et par rapport à votre façon de naviguer habituellement, qu'est-ce qui change? Bah. Finalement pas grand, tout et rien parce que c'est le même principe. J'apprends à connaître, oui, ça fonctionne pas pareil mais c'est le même principe, ouais. De l'eau, du vent et puis une coque et une voile mais ce que j'admire c'est la cohésion, l'équilibre que tout le monde doit donner et puis si... Faut être synchro. Ah ouais, plus qu'ailleurs, c'est bon, hein, je pense que c'est un des rares bateaux au monde où c'est à ce point là de cohésion d'équipage, je trouve ça magnifique. Donc s'il y a une faille dans l'équipage, tout bascule. Tout bascule. C'est pour vous imaginer la pression que j'avais. Allez, merci.
tumeur.